voilà le pari improbable d'un ancien champion d'apnée, devenu photographe, des clichés hors du temps, tout en poésie. En Ariège, dans la piscine de Saint-Giron, Raphaël Talbot et Mathias Garnier ont pu suivre une séance photo pas comme les autres. Regardez. Une plongée dans l'insolite. Une séance photo au fond de l'eau pour ces adolescents ariégeois. Et le rendu est juste impressionnant. L'idée vient de lui. Mi-homme, mi-poisson, Franck est un ancien apnéiste professionnel. Devenu photographe, il partage avec ses jeunes ses deux passions. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas à la recherche de l'esthétique forcément, même s'ils y réfléchissent un peu. Et puis leur approche avec l'eau. Ça les oblige aussi à faire l'effort de ne pas respirer, d'imaginer d'être un petit peu plus libre de leur mouvement qu'en étant sur une image terrestre, une photo terrestre. Ça pique un peu le nez et les yeux, mais sinon ça va. Après une initiation obligatoire à l'apnée, le groupe a choisi sur Terre chaque mise en scène pour les clichés. Ouais, il faut que tu restes juste sous la surface. Et ces enfants, âgés de 11 à 14 ans, ont de nombreux messages à faire passer. Mais moi, j'ai du mal avec le fait de m'assumer. Et du coup, je pense que c'était surtout ça aussi, le message qu'on devait faire passer en venant ici à la piscine et se faire photographier. Si, il y a un message d'arrêter de polluer, quoi, en fait. La piscine de Saint-Giron, nouveau lieu artistique, une expérience rendue possible grâce à des aides publiques. On a construit ce projet avec Franck pour qu'ils apprennent l'eau, le milieu aquatique, et éliminer leurs peurs, retrouver le bien-être avec leur corps, être force de proposition pour faire des shootings. Ici, tout a du sens. Il faudra donc se mouiller pour voir ses œuvres accrochées dès le 16 septembre prochain aux parois de ce bassin.